Salut les gars! Salut les gars! Ah! Un autre journée de merde. On est lazy aujourd'hui. Un autre journée de merde, hein? Alors, nous, Charles. Hey, on est hardcore. Ok, fait que c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va bien dans votre vie. T'imagines le gars, là, c'est sa première journée sur notre site web, puis il pogne cette vidéo-là. Ouais, c'est ça. Il se dit, un autre journée de merde. Je perds mon temps ici. C'est qui ces deux gars? Non, attends une seconde. Ouais. Ok. Ouais. Musculation prise de masse. C'est une chaîne du matin qui vous offre des capsules inédites sur la musculation, la prise de masse musculaire, des exercices au gym et des suppléments. Semaine thématique ces temps-ci sur les suppléments, mais à part peut-être aujourd'hui, vu que c'est difficile de faire des chroniques suppléments lorsqu'on se rend au gym, vous montrer des exercices. Et nous, sur musculation prise de masse, on aime ça pas juste montrer des exercices, comment faire, tu sais, tranquillement, puis avec le contrôle des beaux biceps curls. C'est bien concentré. Mais on aime ça vous montrer des trucs un petit peu plus spéciaux. Puis là, on vous en montre un aujourd'hui que j'ai été tourné au gym juste pour vous. C'est sur les push-ups. Souvent, on fait nos push-ups de même, puis là, on se pense bon. Mais il y a des façons de mettre le push-up plus difficile et en particulier de travailler davantage vos triceps. Les push-ups, d'habitude, larges, travaillent vos pectoraux. Là, je vais vous montrer celui pour les triceps. J'ai le goût de savoir c'est quoi. Pas pire ça. Et pour les membres, c'est un push-up spécial que vous allez peut-être avoir vu seulement. C'est dans les arts martiaux qu'ils font ça. Wow. Fait que ça, c'est un push-up que tu peux casser des gueules. Ouais, ouais, tu casses des planches. Tu casses des planches avec ton push-up. Tu fais ton push-up puis tu casses ta planche. Wow, OK. Allez voir ça, les gars. Passez une bonne journée, les gars. On se revoit demain. Yes, bye-bye.